Bonjour. Bonjour. La qualité fondamentale d'un journaliste, c'est l'honnêteté. Oui, mais l'honnêteté, c'est la qualité fondamentale de l'homme en général, non? Je crois que dans les qualités ou dans ce qu'on recherche quand on recrute des journalistes, c'est un instinct de curiosité, beaucoup de curiosité, c'est-à-dire être curieux du monde, avoir envie d'aller vers les gens, de leur parler, de savoir ce qu'ils sont, et puis effectivement beaucoup d'honnêteté dans la manière de le relater. Quand vous parlez, ça vous intéresse ou c'est pour intéresser les spectateurs? Je pense que mon métier est d'essayer d'éclairer quelque chose, un problème, de le faire comprendre le plus possible aux téléspectateurs. Si moi je n'y ai pas trouvé un minimum d'intérêt, ça se sentira. C'est-à-dire, ouais. si je te parle des problèmes de culture du maïs dans telle région de France, et que j'ai l'air de m'en foutre totalement, franchement, tu le verras, quoi. Mmh. Tu te diras, il se fout de nous, quoi. Ça l'amuse pas, ça intéresse pas. Vous préférez quoi, la radio, la télé ou alors la presse écrite? Ben, pour ce qui est de s'informer complètement et plus à fond, c'est sûr que c'est la presse écrite. Pour l'immédiateté, c'est-à-dire la notion de direct, savoir ce qui se passe, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de la chute du mur de Berlin, ou la place Tiananmen, les massacres à Pékin sur la place Tiananmen. Je crois que c'est la capacité d'être en direct avec le monde entier, ça c'est absolument formidable.